Donc, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, il y a trois choses à faire. Parce que je sais que si je dois augmenter mon chiffre d'affaires, je dois augmenter le nombre de clients, le nombre de personnes. Et pour augmenter ces nombres-là, le pont, c'est le marketing. Allez-y, tournez toutes les théories qu'on va vous donner. Le pont, c'est le marketing. Si de nouvelles personnes ne vous découvrent pas, vous voyez que l'évolution est quasi impossible. Moi, j'ai eu un client comme ça. Campagne publicitaire. C'est le plus gros chèque que j'ai eu. Le gars est venu, il m'a signé 24 millions pour lui faire plan, pour lui faire un plan. Campagne publicitaire. On ne vend jamais un seul produit. Donc, pour augmenter votre chiffre d'affaires, pensez déjà à augmenter le nombre de clients, mais pensez aux produits complémentaires à votre produit principal. Il y a toujours. Elle dit que si tu as quelqu'un, fais tout pour l'abonner. Parce que c'est plus facile d'accoucher que de ressusciter un mort. Ok, le temps nous prend à la gorge. Je veux vraiment vous. Parce que la deuxième partie est tout aussi électrique. Parce que ici, on est sur des stratégies business. Vous voyez, non? C'est du pratique. On est sur des stratégies business. Maintenant, comment augmenter le chiffre d'affaires? Pour ça, c'est pour ceux qui sont déjà en business. Lesquels qui sont déjà entrepreneurs, qui vendent quelque chose déjà? Ça, vous devez dormir. Est-ce que vous êtes satisfait de votre chiffre d'affaires actuel? Voici comment faire pour augmenter ça. Écrivez très bien ça. Vous devez tous les jours penser à ça. Regardez la formule du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, alors, je n'ai pas besoin d'écrire. Le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients multiplié par le panier moyen, multiplié par le nombre de fois. Le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, si vous vendez ça, votre chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients multiplié par le panier moyen. Je ne dis pas prix, je vais vous donner la différence, mais panier moyen multiplié par le nombre de fois que la personne revient. Donc, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, il y a trois choses à faire. Un, on fait quoi? On augmente le nombre de clients. Et pour augmenter le nombre de clients, qu'est-ce qu'on fait? Marketing. Si vous n'êtes pas satisfait de votre chiffre d'affaires actuel, c'est que vous ne faites pas beaucoup de marketing. Vous voyez là où l'erreur vient? Parce que si vous ne faites pas suffisamment de marketing, de nouvelles personnes ne vont pas découvrir ce que vous faites et vous ne pouvez pas vendre plus. Donc, le nombre de clients, le NC, si vous voulez augmenter, forcément, marketing. Vous devez vous débrouiller à ce que plusieurs autres personnes vous découvrent, comme on l'a vu. Augmentez le nombre de personnes qui doivent vous découvrir. Avant, si deux ou trois personnes par jour ou bien par semaine te découvrent, tu dois accentuer, par exemple, aller à des rencontres. Mieux, organisez vous-même votre événement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu ne peux pas espérer, et ce n'est pas une bonne stratégie, espérer venir dans l'événement de quelqu'un et vouloir vendre dans son événement. Vous voyez que ce n'est pas bon, non? Vous voyez? Donc, pour augmenter ça, organisez votre propre événement. Gratuit. C'est ce que je dis souvent aux gens. Organise un événement gratuit. Je suis en train de trop donner un exemple sur toi, mais qui est d'autre dans un autre exemple? Je vais vous dire. Oui? Tu es dans quoi? Architecte. Ça, c'est mon homonyme, mon collègue. Ok, mais c'est la même chose que je fais. Ce que je fais, pour ceux qui me connaissent, j'organise souvent des formations pour que de nouvelles personnes viennent me découvrir. Je fais des campagnes publicitaires et je suis passé, bon, ça également, c'est juste des vidéos que je fais. J'ai fait beaucoup de vidéos. Ça, c'est encore du marketing. On appelle quoi ce type de marketing? Inbound marketing. Je fais beaucoup de vidéos tout le temps. J'inonde les réseaux sociaux des vidéos que je suis sur le chantier. Allez-y, tapez Justin Architecte, vous allez voir. C'est sur YouTube, je suis presque à 100 000 abonnés. J'inonde les réseaux sociaux de mes vidéos sur les chantiers.
Parce que je sais que si je dois augmenter mon chiffre d'affaires, je dois augmenter le nombre de clients, le nombre de personnes. Et pour augmenter ces nombres-là, le pont, c'est le marketing. Allez-y tourner toutes les théories qu'on va vous donner. Le pont, c'est le marketing. Si de nouvelles personnes ne vous découvrent pas, vous voyez que l'évolution est quasi impossible. Vous ne pouvez pas rester avec deux clients, avoir un chiffre d'affaires de 2 ou 3 millions par mois et vous ne faites rien. Vous restez avec les deux clients. Comment, quelle est votre stratégie? Voyez un peu, comment vous pensez vous allez gagner plus qu'avec ces deux clients? Si vous voulez faire plus, mais allez chercher de nouveaux clients. Et ces nouveaux clients-là, le seul pont, c'est le marketing. Soit vous payez pour passer à la télé, à la radio, qui coûte cher, mais qui ne touche pas votre cible. Payez Facebook. Dites-lui que je veux des personnes âgées entre 30 et 65 ans, des personnes matures qui cherchent à s'installer, comme un architecte, je sais. C'est la tranche d'âge. Les jeunes, ils cherchent maintenant à acheter des terrains, commencer la construction. Donc, tu cibles une tranche d'âge. Tu cibles CSC plus, catégorie socio-professionnelle plus, des personnes qui ont un peu de moyens. Et c'est eux que tu dis à Facebook, je te donne 10 dollars par jour. Si tu peux m'envoyer chaque jour 5 ou 10 personnes comme ça, je vais discuter avec eux. Facebook fait ce travail. Moi, j'ai eu un client comme ça, campagne publicitaire. C'est le plus gros chèque que j'ai eu. Le gars est venu, il m'a signé 24 millions pour lui faire plan. Pour lui faire un plan. Campagne publicitaire. Allez-y, tapez Vera Immobilier, c'est ma page Facebook, où je ne fais que des plans. Mais pour faire ça, j'ai un budget marketing où je touche tous les mois de nouvelles personnes. N'allez pas chercher loin. Ça, c'est la méthode Stanford. C'est comme ça le chiffre d'affaires. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il n'y a pas une quatrième solution. Augmente le nombre de clients. Pour augmenter le nombre de clients, sacrifie-toi. Si tu empruntes de l'argent, c'est pour mettre dans le marketing. Pour découvrir, te faire découvrir par de nouvelles personnes. Deuxième, le panier moyen. Que ce soit des services ou des produits, c'est la même chose. Un panier moyen, c'est quoi? Si tu entres dans un supermarché et que tu as l'intention d'acheter pour 1000 francs, laisse le reste de l'argent à la maison, va avec 1000 francs. Mais si tu vas avec 10, est-ce que tu peux t'en sortir? Pourquoi? C'est pensé, c'est réfléchi, c'est organisé pour que chaque personne qui entre là-bas dépense le maximum. Dès que tu entres, on ne sait même pas ce que tu viens pour acheter. Même si c'est biscuit de 25 francs que tu veux acheter, on te donne panier. Donc toi-même, tu prends un panier, tu te promènes et tu vas mettre un biscuit dedans. Parce que tout est organisé pour que tu aies d'abord un panier. Et il y a ce qu'on appelle la durée de circulation dans le supermarché. Donc on met des musiques et puis c'est frais. Donc, même si tu ne veux acheter rien, tu vas traîner un peu là-bas. Pour eux, ils espèrent te tenter. Les produits qui ont un bon branding sont au niveau de ton visage. Les produits de moyenne qualité sont en bas. Tout est calculé pour te piéger dans ton parcours d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent augmenter ton panier. Le panier, c'est que quand tu vends un produit, tu n'es pas un bon vendeur. Tu dois tout faire. Quand tu as un produit, tu dois chercher des produits complémentaires. Peu importe le service ou le produit que tu vends, ne vends jamais un seul produit. D'ailleurs, c'est le plus grand danger d'un entrepreneur, le chiffre 1. Un fournisseur, tu es en danger. Un client, tu es en danger. Un produit, tu es en danger. Ça, c'est le danger d'un entrepreneur. Un fournisseur, tu es en danger. Qui a un seul fournisseur pour son business ici? Il est à deux doigts de la faillite. Qui a un seul client? Qui a un seul produit? Tu es en danger direct. Si ces trois choses-là, tu as un, toi,
tu es presque au bord de la faillite. Voilà, tu ne dois jamais avoir un seul produit à vendre. Tu vends des costumes. Qu'est-ce que tu dois vendre d'autre? Voilà. Il n'y a pas un produit qui dit non, moi je vends ça, mais je ne sais pas d'autres produits. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Qui me donne un exemple et puis on va lui trouver qui vend un seul produit. On va trouver des solutions pour vous. C'est pas possible. Tu vends quel produit? Les yaourts. Les yaourts. Il vend des yaourts. Qu'est-ce qu'on peut lui compléter? Tu vends comment? Ouais, les gâteaux, les dégâts. Même les mêmes yaourts là, on peut vendre plusieurs types. Les dégâts. La glace. Vous voyez, ce n'est pas possible en fait. Tu peux même vendre différentes tailles pour différents prix. Il vient, tu dis, mais ça c'est pour toi. Est-ce que tu as pensé à madame? Le plus petit c'est pour l'enfant. Est-ce que dit, l'objectif c'est de ne jamais avoir un seul produit et il met un produit dans le panier. Non. On évite ça. Un produit. Non. Ça, tu n'es pas en entrepreneuriat. Tu ne comprends même pas le business en fait. On ne vend jamais un produit. Donc, tu vois qu'il y a des produits que tu dois compléter. Et là encore, si tu n'es pas obligé de compléter, va voir d'autres partenaires. Si tu n'as pas les capacités toi-même de fabriquer tout de suite, vois des partenaires qui peuvent te donner ces produits dont tu as besoin, déjà pour que tu mettes à côté de ce que tu vends. Parce que ce sont des produits complémentaires. D'abord, jusqu'à ce que toi-même tu fabriques pour toi et tu arrêtes la collaboration, le partenariat. Tu vois un peu. Qui a un seul produit encore et qui ne sait pas le produit complémentaire? Oui? Quoi? Dégâts au miel. C'est les mêmes. C'est les produits de consommation. Tu peux. C'est? Ok. Et? Ok. Mais est-ce qu'on ne peut pas vendre un produit complémentaire à ça? Oui, il y a toujours, il n'y a pas un produit que vous allez dire, que vous allez vendre, vous n'aurez que... Donc toi, tu as un seul produit comme ça. Et puis toi aussi, tu es entrepreneur. En fait, je pense que vous avez vu, c'est clair. Un entrepreneur, même toi, si le service de Excel est ton seul service que tu vends, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le seul service. Ah oui, donc toi, tu as compris. On ne vend jamais un seul service. Jamais. Même dans l'architecture, tu arrives, on te fait le plan, mais on te met tout de suite en relation avec un ingénieur, une entreprise de construction, quincaillerie pour vendre. Et tout ça, ce sont des partenariats. Nous, on n'a pas directement, mais on fait tout pour que l'argent, là, ça tourne ici. Il ne faut pas qu'ils viennent et ils sortent parce qu'il peut rencontrer quelqu'un qui maîtrise la vente. Souvent, quand un client, il tourne, arrive dans mon cabinet, c'est fini. C'est verrouillé. Il ne peut plus sortir. Il dit, non, on m'avait parlé d'un ingénieur. Je dis que non, laisse. Il t'a dit combien? Il dit que non, on m'a fait une facture 6 millions. Je dis que non, c'est bon, grave. Je te fais ça 2 millions. Je le bloque d'abord. J'appelle et je dis, écoute, j'ai un travail là. C'est comme ça, tu fais ça 1,5 million. Et puis, c'est un nouveau client, on avance avec lui. Est-ce que c'est bon? Il dit, oui, c'est bon. Viens faire le travail. On avance. Tu ne peux pas... C'est-à-dire que si tu, un service, surtout un service encore, si quelqu'un vient pour la comptabilité chez toi, tu dois tout faire. Fiscalité, qui te fait? Comment est-ce que... C'est-à-dire qu'il y a des services qui tournent autour de ça. Et c'est ça le panier moyen. On ne vend jamais un seul produit. Donc, pour augmenter votre chiffre d'affaires, pensez déjà à augmenter le nombre de clients, mais pensez aux produits complémentaires à votre produit principal. Je peux prendre au cas par cas tous les produits que vous avez. Je suis sûr que vous pouvez toujours trouver des produits et des services qui peuvent accompagner ces produits principaux-là. Si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Et le dernier, c'est le plus haut niveau. Je dis bien, c'est le plus haut niveau du business. Le plus haut niveau du business. C'est la fidélisation. Le plus haut niveau. Une entreprise, quand tu veux arriver à un niveau sérieux, c'est, tu arrives quand tu fidélises les gens. Quand ça devient abonnement. J'ai testé avec une dame, elle dit que ça ne va pas marcher. J'ai dit, écoute, refais, ça va voir. J'ai dit que faire des tickets.
Quand quelqu'un vient manger pour la première fois, donne-lui un ticket. Tu dis que s'il vient manger 8 fois, 9e fois, c'est gratuit. Direct. Le gars, il mange une fois, demain, il revient. Après, il s'approche, il dit qu'il reste combien de fois pour que le prince soit... Automatique. Il y a toujours... Il dit que si tu as quelqu'un, fais tout pour l'abonner. Parce que c'est plus facile d'accoucher que de ressusciter un mort. Parce que quelqu'un qui t'a déjà fait confiance ne va pas, ne perd pas trop de temps chaque fois à courir derrière des personnes que tu dois convaincre, que tu dois dépenser dans le marketing, mettre encore des budgets de Facebook pour l'acquérir. Dès que tu l'as une fois, crée un système d'abonnement. Crée une façon, trouve un moyen qui va lui être avantageux. Parce qu'il faut calculer l'avantage que tu vas lui donner pour qu'il reste. Évalue avec l'avantage que tu vas réinvestir dans l'effort publicitaire pour acquérir. Donc tu vois cet effort-là, tu l'offres. Vous voyez un peu la chose. Si tu dois faire des efforts pour aller chercher de nouveaux clients, tu dois mettre 10 dollars par jour pendant un mois pour acquérir chaque jour 2 clients pour vendre un produit. Aujourd'hui, avec Facebook, c'est des calculs. Facebook, bon, il te fait une comptabilité. Ceux qui font les campagnes publicitaires, là, ils te font une comptabilité de l'argent que tu as dépensé, des résultats que tu as eus, du nombre de prospects que tu as eus. Et toi, tu fais des calculs, ces prospects-là, combien ont acheté. Donc, tu sais exactement le coût par client. Ce n'est pas le coût, lui te donne le coût par prospect. Mais toi, tu peux savoir le coût par client. Parce que le nombre de prospects que tu as eus, tu connais ceux qui ont acheté réellement. Donc, si tu as dépensé 100 dollars ce mois-ci et tu sais que ce mois-ci, tu as eu 10 clients, tu sais qu'un client t'a coûté 10 dollars. À chaque fois que tu fais une publicité, tu mets 10 dollars, tu sais que tu auras un client. Tu as fait 100, tu as mis 100 dollars, tu as eu peut-être 300 personnes qui t'ont contacté, mais finalement, il n'y a que 10 qui ont acheté. Donc, réellement, tu sais que 100 dollars t'a rapporté réellement 10 clients. Donc, chaque client t'a coûté auprès de Facebook 10 dollars. Donc, si quelqu'un vient, au lieu de repartir, aller donner 10 dollars à Facebook, lui, tu le dis, s'il continue de consommer, tu lui réduis 5 dollars. C'est-à-dire que les 10 dollars que tu vas remettre dans la publicité, tu lui donnes comme avantage pour que lui reste. Ça te diminue l'effort commercial. Qui utilise les puces Orange ici? Tout le monde. Vous avez la puce depuis combien d'années? Vous l'avez achetée à combien le jour que vous l'avez achetée? C'est gratuit, hein? Presque, quand on calcule bien. Parce que la puce coûte 1000 francs ou 500. Plus crédit. On te donne crédit plus connexion. C'est presque gratuit. Sauf que 2-3 jours après, tu reçois un message de promotion. Dis non, cette nuit jusqu'à 24 heures. Achète 1000 francs, reçois 2000. Tu te retrouves chaque mois maintenant à dépenser 10 000. 20 000 parfois plus. Chaque mois. Peut-être plus, mais chaque mois. Pendant un an, ça fait combien? Ça fait 120 000. C'est depuis 10 ans que tu as la puce. Il a gagné combien sur toi en 10 ans? Pourtant, au moment de te vendre le premier... Elle dit que... Le plus important pour lui, c'est de te vendre. Il peut même perdre à la première vente. Vous voyez un peu le calcul. Toutes les entreprises les plus puissantes du monde ont créé un système de fidélisation. Donnez-moi un nom, je vous donne leur système de fidélisation. Total, c'est simple parce que Total, leur truc, c'est consommation journalière. iPhone. iPhone, c'est simple, vous voyez, souvent, tu achètes iPhone, tu dois d'abord créer un compte. Et ils gardent même tes photos pour que tu sois obligé. Est-ce que vous savez que les iCloud, là, tu achètes même de l'espace. Eux-mêmes, là, tout ce que j'ai dit, là, ils font. Tout ça, ils font. Ils te vendent de l'espace. Ils te donnent, voilà. C'est saturé, maintenant, on te trouve un moyen de consommer, de donner de l'argent. Donc, tu achètes un iPhone, mais il y a des dépenses qui tournent autour de ces iPhones encore.
Voilà, Yves, tu dois acheter les AirPods. Tu dois acheter. Donc, ils ont d'abord plusieurs produits. Ils ne sont pas des amateurs, ils connaissent tout ça. On ne peut jamais créer un seul produit. Maintenant, pour te fidéliser, tu vas créer un compte iCloud. C'est là où ils vont posséder toutes tes données. Et tu utilises iPhone, 2-3 ans, ça commence à bugger. C'est prévu. Pour que tu ne fasses pas 5 ans avec. Parce qu'ils savent que tu dois renouveler. Et eux-mêmes, ils ont inclus dans leur stratégie que lorsque ça commence à bugger, tu peux ramener. Ils vont te donner le dernier, tu ajoutes un peu d'argent dessus. Quelqu'un qui a utilisé iPhone pendant un an et qui a arrêté d'utiliser iPhone, c'est qui? Si tu utilises au moins un an déjà, là, c'est fini. Parce qu'ils ont créé un système, ils ont tes mails, ils ont tes photos, ils ont toutes les données avec eux. Oui, tu es obligé de rester iPhone pour garder tes données. Tes numéros sont enregistrés, tes numéros de téléphone. Tous tes numéros sont enregistrés directement dans iCloud. Eux, il n'y a pas Gmail. C'est-à-dire que soit toi-même, au moment d'enregistrer, tu choisis, mais par défaut, c'est enregistré directement dans le cloud de iPhone. Donc, tous tes contacts, ils gardent. Ça te permet de rester. Orange, même chose. Toutes les grandes entreprises, Facebook, n'en parlons pas. Toutes les entreprises, les plus grandes, leur stratégie, c'est la fidélisation. C'est fidéliser, 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 fidéliser. Donc, prenez la liste de tous vos clients, toutes les personnes qui vous ont fait déjà confiance, qui ont acheté un produit ou un service avec vous déjà. Asseyez-vous dans la semaine. Relancez-les. Faites-les d'abord des offres. Je parie. Je vais laisser mon numéro. On va rester en contact. Toutes les choses que je vous dis de faire, ceux qui vont faire, dites-moi que vous avez fait et que ça n'a pas marché. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi que j'ai relancé tous mes anciens clients pour les faire des offres. C'est-à-dire que l'offre, ce n'est pas le prix. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'ils ont acheté, mais l'offre, c'est quoi? C'est le produit initial plus un avantage qui n'existe pas dedans. C'est ça, une offre. Je vais te vendre un ordinateur, mais si l'ordinateur, je dis que ça coûte 500 000, ça c'est un prix. Mais je dis, écoute, je te donne un ordinateur, cet ordinateur, ça coûte 500 000, mais je sais que si tu n'entretiens pas, ça va se détruire. Donc je vais t'offrir Protège. Ça fait 200 000. Plus son sac gratuit. Plus maintenance, 2 semaines, gratuit. Plus souris, gratuit. Plus livraison, gratuit. Plus USB, gratuit. Disque dur, 50% de réduction. Mais bon, c'est la première fois, gratuit. Le prix de l'ordinateur, c'est 300 000. Mais il te dit 500 000, mais comme il a cité beaucoup de choses gratuites derrière, l'homme, il ne voit pas les 500 000. Lui, il voit seulement ce qu'on lui a offert gratuit supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une offre. Là, c'est les 200 000 bonus. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. On crée une valeur perçue qui passe invisible. Appelez tous vos prospects, vos clients, ceux qui ont déjà acheté avec vous, et faites-les des offres. Ça va tout changer. Alors, les amis, il est 13h, on doit aller en pause. Mais je vais vous partager la 8e stratégie avant qu'on aille. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Ça nous prendra 30 minutes. Renseignez-vous. La nourriture, là, c'est où? C'est prêt? Alphonse? Voilà, c'est à côté là, en face de la BCAO. Parce que l'espace là-bas, c'est très grand, en face de la mer, ou bien du fleuve. Voilà, en face du fleuve là-bas.